condition est excellente. Je m'entraîne beaucoup au Tristar, au club de boxe des frères Grant, puis au club de lutte olympique de Montréal. Alors c'est vraiment une préparation impeccable. J'ai jamais arrêté de combattre. Mon dernier combat, c'était au mois d'octobre 2012. C'était aux États-Unis, à Rhode Island. Puis c'est ça, j'ai gagné le combat, ça a bien été. C'est juste que j'ai pas eu d'opportunité de combattre plus souvent, mais l'entraînement, je suis toujours à l'entraînement 12 mois par année. Bien sûr, ben, c'est la même méthode de préparation pour tous les adversaires. Mes entraîneurs et moi-même, on fait nos recherches chacun de notre côté pour... Sur l'adversaire, on regarde des films, des vidéos, ses combats, ses entraînements et tout. Et puis après, on s'assoit ensemble et on fait un plan de match. Et puis, vous avez un plan de match prêt pour M. Grumet? Absolument. Oui. Donc, c'est dans une semaine et demie. On a hâte, on va évidemment être là. Et on invite tout le monde à se procurer des billets pour aller voir David Loiseau contre Caleb Brunet le 17 août. Un petit dernier mot pour tes fans, David? Merci pour votre support. Venez en grand nombre, 17 août. David Loiseau est de retour. Donc, rendu à ton cinquième combat, je crois? Oui. 4-0. Oui. Ben, ils sont tous difficiles dans leur sens. Ouais. Il n'y a jamais, je pense que c'est jamais de combat facile, mais j'irais, je pense, probablement avec Derek Parker ou Evan Nett, parce qu'Evan Nett, c'est moins expérimenté. Je sais même pas si c'est droitier ou gaucher. Tout ce qu'il y a, c'est un combat de 13 secondes et on ne voit pas grand-chose. Je sais que ça ne sera pas facile. Bien oui, il n'y a jamais de facile. Même quand tu penses que c'est facile, c'est pas facile. Manger des coups de poing, c'est pas facile. Tout à fait. Donner un spectacle et je vais tout faire pour gagner. Ben, tu décrirais, c'est quoi ton style, toi? Si quelqu'un te demande c'est quel genre de fighter tu es, comment tu décrirais? Moi, je me décrirais pas facile. Non, ben, j'ai amélioré beaucoup mon stand-up, ma lutte aussi. Fait que je suis capable de briller partout. Mais comme je te dis, c'est vraiment, je suis pas facile. Il va m'avoir tout le temps sur tout. Il est mieux d'embarquer avec un bat de baseball, si tu veux.